Ce qu'on va faire, la deuxième opération, c'est après avoir fait le coude, on va faire l'évasement. Vous pouvez le faire avant, mais moi j'ai fait la courbe et après je vais faire l'évasement. Alors pour faire l'évasement, nous avons le chemin de cette machine d'évasement que j'ai reçu comme cadeau de mon neveu. Alors, ce qu'on va faire, on va introduire là l'appareil et on va commencer à évaser notre tube tout doucement. Il ne faut pas donner des coups. C'est la même chose que pour le cintrage. Il ne faut jamais donner des coups. Et on va évaser. Voilà, d'un seul coup. Et puis voilà, nous avons notre évasement. Je refais l'opération un petit peu pour. Voilà. Et c'est bon. Voilà. Et nous avons ici un évasement très très fini grâce à cet appareil. Voilà. Et on passe à la deuxième évasement. Alors c'est la même chose. On introduit notre évaseur et puis tout doucement, un seul coup. Et voilà. Et on a terminé notre évasement. Une deuxième fois. Et c'est fini. Voilà. Nous avons un coude 90 avec deux évasements aux extrémités. Merci.